Et cette fois sur le ring, Dida Diafate, mais il veut qu'on l'appelle Dida de son prénom. Grand-mère n'est pas là, grand-mère est à la maison. Il reviendra le plus vite possible pour lui donner le résultat. Maintenant, vous le connaissez beaucoup mieux. Personnage très attachant, donc, qui, champion du monde depuis le mois de juin 1991, dispute ce soir donc son 32e combat. Opposé à un Hollandais, difficile, Stewart Ballantyne. 24 victoires, 4 défaites, 15 victoires avant la limite, qui est champion de Hollande de boxe thaï, champion d'Europe de full contact, champion d'Europe de boxe américaine, champion d'Europe de kickboxing, ce qui fait beaucoup de titres, en tout cas adversaire difficile. Jean-Paul, aujourd'hui, c'est de la boxe thaï, c'est en 5 reprises. Alors on rappelle, boxe thaï, ça veut dire... Ça veut dire toutes les techniques utilisées, que ce soit dans les jambes, avec les jambes, au buste, au visage, avec toutes les techniques de poing de la boxe anglaise en plus, ce qui fait une boxe totale, complète, puisqu'on peut y rajouter le travail du corps à corps, les coups de genoux et les projections autorisées. Avec ce soir, donc une petite différence, puisque son adversaire vient de Hollande, coup de genoux au visage pas autorisé. Exactement. Ce qui peut perturber la boxe de Dida, qui pour le moment tombe sur un accrochage. Je rappelle donc Dida, animateur à la mairie de Villiers-le-Bel, qui fait énormément pour les jeunes. Et là aujourd'hui, il faut qu'il pense à lui et uniquement à lui quand il est sur le ring. Faire ce combat va être difficile. Et il faut qu'il pense surtout à l'agressivité de ton adversaire, tu vois, Ballantyne est réputé pour cela. Mais s'il travaille bien en ligne, Dida, il pourra venir facilement à bout de Stewart Ballantyne. Ah, vous voyez tout l'art de la boxe thaï. Il y a eu des coups de poing, il y a des coups de genoux. Il y a déjà eu des coups de pied, on a vu quasiment tout en une minute. Et oui, à toutes les distances, il y a combat possible. Et c'est là tout l'art du boxeur thaï, savoir être prêt à toute distance, pouvoir réagir avec toutes les techniques. On lui demande dans son coin de travailler surtout aux genoux, sur lesquels effectivement Ballantyne a l'air moins à l'aise sur les coups de genoux, en reprenant ainsi la technique de Farid Kenich, un des autres Français champions du monde. Oui, et comme Ballantyne a une boxe large, ouverte, bien évidemment, c'est mieux de boxer en rentrant les coups de genoux. Ah, c'est bien au point aussi. C'est bien car il vient de toucher. Ballantyne est obligé de se réfugier un petit peu dans la fuite. Travaille très bien, Dida, pour le moment. Très, très bien. Mais dans ces techniques et dans ce sport de boxe thaï, on n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup car ça peut venir de partout. Exactement Charles, toutes les surfaces de frappe sont pratiquement autorisées, sauf bien entendu les parties qui sont protégées par une très solide coquille en plomb car les coups de genoux peuvent parfois déraper et dans ces cas-là ce serait évidemment un accident dramatique. Mais sinon, toutes les surfaces de frappe étant donc autorisées, il faut être en alerte sur pratiquement 99% du corps. Et en uppercut et en crochet. Et un coup de genou derrière. Très très belle première reprise de Dida. Qui sert assez peu de ses pieds alors qu'il jouait au Red Star, bon niveau au foot.
Il faut faire attention au crochet du gauche du Hollandais qui a fait une bonne fin de première reprise. Bonne fin d'une bonne première reprise des deux hommes d'ailleurs. Ça monte. Respire Dida. Travaille les genoux. Dida, tu montes ta garde. Travaille les genoux. Dida, tu montes ta garde. Dida, travaille les genoux. Tu feintes au point et tu rentres les genoux, Dida. Et ça rentre tout seul. Tu casses les côtes de devant. T'as compris? Tu veux mettre 47 au point? Et te baisse pas, Dida. Travaille les genoux. Il te remonte ton hypercute. Te baisse pas. Je veux plus te voir baisser. Tu m'as compris? D'accord. C'est très important. Fais de l'air. Écoute ce que je te dis. Tu montes ta garde. Tac, tu rentres genoux, Dida. Tu feintes au point, tu rentres aux genoux. Et continuera pas comme ça. Les genoux, Dida, les genoux, t'es plus fort. Ne rentre pas dans son jeu, Dida. Donc bien ta garde. C'est bien ce que tu fais. Genoux, Dida. D'accord. Bien haut, hein, Dida. Et on entend souvent dans les coins en boxe thaï, remonte ta garde, remonte ta garde. C'est ce que Jean-Paul vous expliquait à la fin de la reprise. C'est très très dangereux. Le danger vient de partout. Voilà, bon crochet du gauche et derrière faut enchaîner au genou. C'est ce que fait Dida. Oh, mais vient d'être touché par des crochets du gauche de Valentine. Et c'est là qu'il est dangereux, Stuart Valentine. Stuart Valentine à ne pas confondre avec son frère Gilbert Valentine. Attention, je crois qu'on va aller voir une petite blessure à l'œil, enfin petite, je sais pas d'ailleurs, de Stuart Valentine qui a pris un coup de pouce, dit-il, dans l'œil. Donc l'arbitre le laisse récupérer un instant et ça va repartir aussi violemment certainement. Et le monsieur que vous voyez avec une chemise blanche dans le coin du ring est le président de la Fédération européenne de boxe thaï. Oui, monsieur Tomari. Et il est néerlandais. Il travaille mieux que son adversaire, Dida. Il varie ses surfaces de frappe et ses techniques. C'est ce qu'on lui a dit dans son coin. Il faut feinter et ensuite rentrer en coup de genou. Il a effectué plusieurs séjours en Thaïlande, mais tous ceux qui arrivent à ce niveau-là, car Dida est champion du monde maintenant, sont forcément allés travailler en Thaïlande et c'est là-bas qu'il avait rencontré Jean-Claude Van Damme. Ah, ce crochet du gauche de Valentine fait très mal aux Français. De ce coin parce qu'en plus il est en son coin, le Hollandais là-bas, et il place des crochets du gauche et Dida est en difficulté depuis une vingtaine de secondes. Et il s'expose Dida maintenant parce qu'il a été touché par cette série de crochets du gauche. Et regardez d'ailleurs, ici, il ne trompe pas le Hollandais, il ne revient qu'avec les poings. Et c'est maintenant que Dida devrait accrocher son adversaire et le travailler encore à corps. S'il en a encore la force, bien sûr. Je crois que pour le moment, il faut qu'il récupère et qu'il essaie de finir cette reprise. Il y a 20 secondes à tenir. Elle n'est pas bonne pour lui. Ah, bonne droite! Coup de théâtre. Et c'est maintenant Valentine qui est à la dérive. Ce direct du droit est venu changer la face de cette deuxième reprise. Oh, que d'émotion dans ces combats de boxe thaï. Il va y en avoir beaucoup dans le coin aussi. Moi les poches.
Oui, on revoit donc le revirement de situation avec Dida qui a réussi à laisser passer l'orage et place ensuite plusieurs crochets du droit très puissants. C'est la guerre là-haut. C'est la guerre. Troisième ronde, c'est la guerre là-haut. Prends ta grand-merde, Dida. Merde, après on va lui dire que t'as gagné, d'accord. Allez, 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 allez. Dida, ne baisse pas ton droit, il a des crochets, t'as vu ses crochets. Et te baisse plus, je veux plus que tu te baisses. C'est très important pour toi ça. Ne baisse plus la tête. Il va te remonter un genou, c'est pas bon. Tu baisses plus la tête, tu m'entends, Dida. Hé, hey, t'accélères, la troisième ronde, hein. C'est la guerre là-haut. C'est la guerre là-haut. C'est la guerre et vous avez vu que dans le reportage de François Pécheux, vous aviez fait connaissance de la grand-mère qui paraissait être un personnage important et vous voyez comme elle est un personnage très important puisque même dans le coin, ses entraîneurs, ils parlent de sa grand-mère à ce moment difficile du combat. Troisième reprise, c'est un combat qui est prévu en 5. Chercher ce direct du droit après deux low kicks, c'est-à-dire deux coups de pied en bas, puis un coup de genou. Et les low kicks qui sont portés avec toute la puissance du corps et avec le tibia pour déstabiliser l'adversaire. Et c'est un très bon début d'enchaînement pour les poings au visage, car bien entendu, l'attention du combattant est alors portée sur sa jambe. Généralement, il se découvre. Attention à ce crochet du gauche, c'est celui-là qui est dangereux. Oui, droite encore. Il a la main gauche très baissée, Hollandais. Et le Français aussi a la garde un petit peu baissée. Et oui, Stuart Valentine s'affirme comme un puissant puncher lorsqu'il est à mi-distance. Et si Dida tombe, c'est vrai que c'est sur une poussée, mais c'est vrai aussi qu'il était en train de souffrir. Et de nouveau cette droite. Et maintenant, c'est Valentine qui est en difficulté. Que de coups de théâtre dans ce match, coups de violence aussi. Oh, et encore ce direct du droit. Les coups de genoux pour miner, le direct du droit pour essayer de conclure. Ouais, et les coups de genoux servent aussi à replacer Valentine à distance. Il ne tient quasiment plus debout, Valentine. Mais Dida a laissé beaucoup de force aussi dans ses affrontements. Je ne sais pas lequel est le plus fatigué des deux. Si c'est la gauche de Valentine ou la droite de Dida qui fera la décision. Mais tous les deux sont épuisés. Et évidemment, il y a très peu de tactique maintenant dans ce combat. Ah, c'est la guerre, on l'avait dit dans son coin. Effectivement, c'est la guerre. Et je crois que l'arbitre... Avec raison d'ailleurs, car le Hollandais a été plus sérieusement touché. Et voilà Dida qui repart encore, il n'en faudrait pas beaucoup pour faire la décision. Mais il n'a plus beaucoup de force pour les donner les coups Dida non plus. Que la reprise a été difficile pour Valentine. Qu'elle a été difficile. La serviette, Justin. Respire, Dida, respire-moi, c'est à fond. Quatrième round, il ne doit pas finir là, il est fatigué. Respire, Oscar, respire. Respire à fond. Attends. Il encaisse les coups. Mets le genou, s'il te plaît. Tu mets les genoux, c'est plus fort que les poings, Dida. Et à l'image, donc, on revoit la prise de corps à corps de Dida, repoussée en coup de genou et ensuite suivie avec les droites portées en direct ou en crochet. Et ce sont ces droites qui ont fait la différence dans les dernières secondes de cette reprise. À la Rambo, chamopette. Pense à eux, Dida. Pense à Kuba, là, dans 3 semaines. Oh, tu rigoles ou quoi? Attends, attends.
Nouzda, reprends-moi ça à fond. Hein. 3 minutes à fond. Respire, prends ça à la grande main, prends ça à la grande main. Respire, Dida, respire. Là, c'est la guerre, c'est la guerre. La guerre, Dida, 4e round. Respire. Borce intelligemment, tu mets le point, tu rentres genoux. Respire. Respire à fond, respire à fond. La chaise, ça, la chaise. Allez, Dida. Ah, la guerre, effectivement, la guerre est là depuis le premier coup de gong. C'est l'avant-dernière reprise, c'est seulement la 4e si vous ne suivez que la boxe anglaise, mais là vous avez compris à quel point c'est difficile ce sport. C'est la 4e et les deux hommes sont très éprouvés. Oui, d'autant plus que ces reprises se disputent donc en 3 minutes. Et c'est très long, 3 minutes, lorsque l'on utilise toutes les parties du corps. Dans les autres formes de boxe pied-point, les combats ne sont que de 2 minutes, les reprises ne sont que de 2 minutes. C'est vrai que Dida paraît plus complet, mais c'est vrai que le punch de Ballantagne paraît plus puissant. Il faut toucher le premier, c'est ce que Dida vient de faire encore par cette droite. Enchaînement de points, des gauches, des droites, et l'arbitre va intervenir une nouvelle fois pour... pour rien pour l'arbitre néerlandais. Il aura du mal à sauver. Il aura du mal à sauver Ballantagne. Là, il va le compter, ce qui est tout à fait logique et ce qui va permettre à Ballantagne de récupérer. Mais enfin, c'est tout à fait logique de le protéger, je crois. C'est logique, d'autant plus que l'arbitre a dû s'apercevoir que Ballantagne ne trouvait pas de solution face maintenant aux attaques puissantes de Dida en enchaînement crochet gauche et direct du droit. Il a tout à fait raison. La santé du boxeur passe avant tout. Lucky punch, un coup de poing heureux. Ballantagne a très peu de chances de s'en sortir maintenant. Et pourtant Dida est fatigué, Jean-Paul, très fatigué, mais le voilà qui retouche encore. Et là l'arbitre doit pas être loin d'intervenir, mais il a été contré Dida. C'est fou ce que ce combat peut nous réserver encore. Les deux combattants sont tellement généreux qu'ils s'exposent de manière assez incroyable. Beaucoup non plus Dida. Il apparaît clairement que Stuart Ballantagne possède des qualités d'encaisseur hors du commun. Il va lui en falloir encore là parce que là il a mal. Il a mal de nouveau. Et cette saisie de jambe est parfaitement réglementaire dans les techniques de la boxe thaï. Ah, c'est ce gauche, ce point gauche de Ballantagne. Fait souffrir Dida, sans ça le combat serait abrégé depuis un moment. On peut s'imaginer jusqu'où ces deux hommes vont chercher leur énergie, car il n'y en a plus beaucoup. Et voilà une 4e reprise qui s'achève. Ballantagne est toujours debout, plus ou moins debout. Regardez comme il rentre difficilement dans son coin. Laatste ronde, maar je gaat op krachten vechten nu. Ik zie dat je te veel wil doen. Je moet een beetje pang-pang maken. Oké? Hoor je wat ik zeg? Kijk, als hij stoot, blijf staan. Ga niet naar achteren lopen en hou je handen nou over. Hij is veel van de telefoon. Ja, maar dat is nou over. Kom op. Alassane, alles of niks, hè, nu. Oké, ja? Ademen. Hé, hey, kijk, eens aan de laatste ronde. Je gaat hem nou echt slopen. Dus doe dat. Je mag niet eruit gaan, hoor. Denk erom, want het zal een schande zijn, want dat kan niet, dat weet je wel. Voor je familie, voor iedereen en helemaal wat hij heeft aangeflikt. Hè, dat hij niet weet, dat is een lach. Ah, dans les coins, il faut exhorter les guerriers, car il s'agit bien de guerriers, là. Et confirmation aussi sur ce ralenti que Dida est fatigué parce qu'il a trouvé une ouverture sur des droites absolument merveilleuses. Et Ballantagne, bon, on dira pas qu'il n'est pas éprouvé, mais il ne tombe pas sur ses droites alors qu'elles ne peuvent pas être mieux données. Oui, les combattants hollandais ont une réputation d'être des boxeurs très durs. Et ben, pas de problème ce soir. Stuart Ballantagne est là pour le prouver. On le retrouve encore à l'image avec son entraîneur Tom Haring, qui tant bien que mal essaye de l'oxygéner. L'entraîneur de Shakurikis. Shakurikis d'Amsterdam. Une des plus anciennes écoles de kickboxing et de boxe thaï d'Europe.
Dernière reprise, il reste 3 minutes. Et bon début de Ballantyne qui tente de calmer le jeu avec quelques techniques dans les jambes, suivi au point. Et regardez comme l'arbitre reste prêt car il sait que les deux hommes sont très vulnérables. Et tous les deux sont vulnérables, hein. Pas seulement Ballantyne, Dida aussi. Et c'est ce qui fait l'intensité de ce match, tout peut arriver d'une seconde à l'autre. Ballantyne qui se prépare toujours à frapper avec son gauche. Il a un appui jambe avant qui lui donne cette puissance qui fait souffrir Dida depuis le départ. Il est bien assis sur sa jambe avant et il distribue crochet gauche au foie et au visage. Et on voit Dida qui grimace, qui cherche à puiser au fond de lui-même. C'est peut-être pas mal qu'il récupère un petit peu parce qu'il mène au point, je pense, Dida. Et il faut faire courir un petit peu le temps. Et essayer de placer une accélération en fin de reprise s'il n'a pas été touché d'ici là. Oui, il a raison de frapper la jambe avant car c'est cette jambe avant qui permet à Ballantyne de lancer encore ses puissantes techniques du gauche. Il faut que Dida frappe encore cette jambe pour empêcher l'appui de Ballantyne qui d'ailleurs change de garde souvent pour ne pas exposer trop cette jambe gauche. Attention à ce crochet du gauche, terrible. Dida va être KO. Dida va être KO sur cette série de 3 crochets du gauche à moins d'une minute de la fin. Oh que ça va être difficile. Oh, il ne pourra pas se relever, il a perdu. Il a perdu dans la dernière minute, Dida. Terrible renversement. On vous disait depuis le début que tout pouvait arriver dans ce combat. Stewart Ballantyne a été d'une incroyable résistance. Et petit à petit, Dida a cédé à la fatigue. Il s'exposait de plus en plus. Et le terrible crochet du gauche de Ballantyne a fait la décision. À sa grand-mère. Défaite de Dida car il avait fait un grand match mais il est tombé sur un adversaire presque surnaturel dans ses vertus de récupération et qui vient finalement battre Dida à une poignée de secondes de la fin. Et là, c'est un petit peu une surprise que la défaite du champion du monde, du tout nouveau champion du monde, c'est aussi une grosse déception pour le clan français qui tenait là un boxeur de très très grande valeur que l'on retrouvera certainement Dida, mais il faudra qu'il récupère d'abord de ce match et ce sera difficile car il a laissé beaucoup beaucoup de force. Victoire donc de Stewart Ballantyne et défaite de Dida avant la limite à la dernière reprise sur cette série de crochets du gauche du Néerlandais. Oui, 2 crochets du gauche, Charles. Voilà, il n'est déjà plus conscient et le troisième vient achever l'œuvre du Hollandais. Image terrible pour ce garçon que l'on avait appris à aimer grâce au reportage de François. Dida donc battu par KO à la dernière minute de la dernière reprise.